J'espère que vous allez m'entendre. Je me suis arrêté au lac Mangiosi. Alors je voulais vous montrer ce que ça donnait un lac gelé. Alors je m'approche pas plus parce que regardez ce qu'il y a au sol. Voilà. Et comme je suis comme un boubours avec des petites baskets. Donc voilà quoi. Et voilà, je voulais vous montrer aussi ça, entre autres. Voilà. Et là je suis sur la route en direction de la route de la Bégaine. Ah bah j'allais vous montrer quelqu'un mais je peux pas. Il va falloir que j'attende un petit peu avant de vous le montrer. Alors, ça c'est mon camion. Ah, je peux le faire voir, j'ai l'autorisation de la société. Donc voilà. Et ça, c'est le camion du petit qui arrive là. Le petit qui arrive là, avec sa chemise là. Le petit bûcheron, le faux bûcheron, on va dire. Voilà. Le petit bûcheron ou Calimero. Ouais, le petit bûcheron ou Calimero. Voilà. Ouais, donc voilà, bah, là, on repart sur la Bégaine tous les deux. Eric pour l'aéroport d'Alger2 et moi pour Chissa-Sibi. Donc on a en gros 800, enfin plus maintenant quoi, parce qu'on a fait une paire de kilomètres déjà. J'en ai 864. Il y a 40 km d'écart. Il y a 40 km d'écart entre Alger2 et Chissa-Sibi. Alors, nos camions. Mais c'est le petit qui a le premier camion là, bon. Tout gâché. Oh, il est tout gâché, tout gâché. De toute façon, vu l'état des camions, ils sont sales, quelque chose de pas possible. Ouais, mais bon. Bon, j'ai une petite tâche, une petite tâche, ça va. Ouais, bon voilà. Je vais vous montrer aussi, ça va, et puis... d'autres. C'est con, je serais bien avancé jusqu'au bord, hein, mais avec mes baskets, je vais m'enfoncer, du coup. Ouais, j'ai quand même essayé. Ah putain, je vais avoir froid au pied. Ah viens, hop. Ouais, bah non, tout bien réfléchi, non. Non, c'est trop haut de l'autre côté. Non, mais je vais rester là. Tant pis, ça sera pour la prochaine. Il va se retrouver avec de la neige jusqu'au genou, lui, ça va lui faire tout le rôle. Ah, je rigolerai que ça rentre dans les pompes, tiens. Ah, je rigolerai. Allez, une gamelle pour nous faire plaisir. Ah bah y'a pas l'air trop là. Je vais marcher dans ses pas. Je vais me prendre une gamelle moi. Bah ça va, il fait des petits pas. Et j'en fais un moi. Et t'approches pas trop du bord, ça glisse. Ouais voilà. Ah t'es tout près, non. Mais... j'ai une autre idée pour venir ici et ça me trotte là, il va falloir que je fasse ça. Voilà, hop, hop, voilà. Ouais, touriste de service en basket. Hip, pip. Non, pas plus loin, c'est bon. Pas plus loin, ça descend. Voilà. Donc, voilà, j'ai la main qui commence à avoir. Voilà, on va tourner une main. Ouais, c'est, ouais, voilà, c'est aux alentours de moins 10 quand même ici. Alors, ça paraît pas. On a un beau soleil et tout, mais moins 10 quand même quoi. Bon voilà, alors ici j'ai ma petite idée, mais pour ça il va falloir que j'aille là-bas tout au bout. Tout au bout, là-bas. Parce qu'il y a un camp là-bas, il y a une plage là-bas. Et puis j'ai ma petite idée pour faire quelque chose. Là-bas. Ouais, pourquoi pas, bien couvert. Et comment on pense quand tu roules en moto?
Tu roules comme tu veux à partir du moment où il faut une carte de gants obligatoire. Voilà. Ouais, bah voilà. Ah bah on va arrêter nos conneries quand même. Hein. Tu vois bien encore là. Ouais, non mais hey, quand il n'y a pas de vent, qu'est-ce que faire? S'il n'y a pas de vent, j'ai pas froid. Non. Bah c'est pas froid. C'était relatif, quoi, mais. Ouais. Non, c'est pas frais, il fait frais. Ouais, mais c'est bien, ouais. Bon, voilà. Bon, on va reprendre le boulot quand même. Par contre, on conduira un petit peu, parce que je ne pas de tout, mais on va avancer. Voilà, à plus tard. Ah, c'est beau, tu peux y aller. Et... je sais pas, et combien de fois vous avez débranché votre caméra, et je me demandais pourquoi elle était plus allumée. Ah ouais, effectivement, si tu la débranches, oui. Ah ouais, bon. Allez, on y va. Ah, c'est quand même agréable d'avoir un camion qui accroche. Bon bah voilà, je laisse mon chum Eric ici. Voilà. Puis moi je continue ma route. Ah je déconne, je m'arrive dans un kilomètre là, pour prendre le café, faire une coupure, petite coupure, et puis il fait son gasoil, il me rejoint et on termine la route ensemble.